Bonjour à tous. Signor Cali mi permetterà un caloroso saluto in italiano. On va effectivement commencer un petit peu en italien. Signor Cali alla francese, lei ci fa il grandissimo piacere e l'onore della sua venuta nella nostra facoltà di lingue e culture straniere. A-t-on besoin de traduire? Je ne suis pas sûr. Si. Donc, Cali, prononcé à la française et à l'espagnol, vous nous faites le très grand plaisir et le très grand honneur de venir nous rencontrer à la Faculté des langues et cultures étrangères de l'Université de Nantes. Grazie mille, sinceramente, per tutti noi e per me. Donc, merci beaucoup, sincèrement, pour nous tous et pour moi. Caro Cali, si vous remarquez, je suis passé au tout, au tu, alors que j'étais à la troisième personne du singulier avant, donc on se rapproche. Se permetti, leggendo la tua biografia, mi accorgo che potresti far pienamente della nostra facoltà. En lisant ta biographie, je m'aperçois que tu pourrais tout à fait faire partie de notre faculté, j'allais dire notre famille. Oula. Alla lettura della tua biografia, vedo una ricetta pregiatissima. Une recette excellente, très fameuse, squisita, qui constituisce un peu la philosophie à nostra. En lisant ta biographie, je m'aperçois que tu rejoins la philosophie de notre composante. Un peu di Calabria, un peu de Calabre, un peu di Genova, un peu de Gênes, un peu di Barcelona, donc un bon petit tour de la Méditerranée. Un po' di Francia, un nonno comunista, un grand-père communiste, antifasciste, una stella, une étoile, et una pilar, ça c'est pour la plaisanterie. Sei nata sotto una stella, tu es né sous une étoile. Del coraggio, du courage, dell'impegno, de l'engagement, della cultura, de l'autre, donc avec l'altruisme, con l'arte, avec l'art, la musica, la poesia e adesso la letteratura. Ci dovevamo incontrare, il fallait qu'on se rencontre. J'en suis sûr. Ancora grazie tanto. Et je finis en français. Aujourd'hui, des associations squattent le château du campus pour venir en aide aux migrants. Les temps changent, tout change, mais rien ne change. Notre engagement, le tien, ne résolvent pas tous les problèmes, mais ils apportent une contribution, comme hier, à la lutte contre l'injustice, contre la négation de l'individu. Grazie pure per questo. Merci aussi. Merci. Merci beaucoup, Decano, doyen. Donc, je voudrais dire que dans les activités, dans l'ouverture de l'université, à d'autres formes de regard sur le passé et le présent, la venue des Cali, ça fait des années qu'avec le Festival de cinéma espagnol de Nantes et la faculté, on essayait de vouloir le recevoir dans cette faculté. L'année dernière, il y a eu déjà des préludes à cette visite d'aujourd'hui, l'écrivaine Lydie Salvert, qui a eu le prix Goncourt en 2015 et qui racontait aussi une histoire familiale de la guerre d'Espagne, des guerres d'Espagne, à travers le témoignage de sa mère qui part de Barcelone pour s'engager dans la guerre d'Espagne avec les anarchistes. Dans sa présence ici, elle a peu parlé de littérature, mais elle a parlé aussi de ce qu'était le monde contemporain, elle a parlé de littérature, elle a parlé de ce que vient de dire Didier Delorme, c'est-à-dire d'autres formes d'engagement, car être à l'université, c'est aussi être citoyen. Lydie Salvert précédait une autre visite, aussi dans cet amphi, celle du cinéaste Costa Gavras. Et Costa Gavras s'est présenté ici, dans cette salle, comme l'exilé qui avait quitté la Grèce des colonels pour venir en France, à une époque, disait-il, où la France était terre d'accueil. Et il a voulu parler
également n'ont pas de ces films nombreux que la plupart des étudiants, la plupart de vous ne connaissiez pas. Mais il nous avait dit, je voudrais parler avec les étudiants de toute une série de valeurs. Les élections législatives n'avaient pas encore eu lieu et le Front National était assez présent. Et donc, il a souhaité parler de la liberté, de la justice, de la démocratie et du politique. Et toute son intervention tournait autour de cela. Le lien entre Costa Gavras et l'Espagne est peut-être pas évident, mais c'est relativement facile, car il a travaillé avec Yves Montand, son engagement aussi avec la guerre d'Espagne, contre le fascisme, contre le franquisme, et surtout avec Georges Samprin, avec qui ils ont fait des choses très importantes ensemble. Donc Costa Gavras également fut au Festival des cinémas pour ouvrir son regard des cinéastes, mais aussi des citoyens du monde, sur une cinématographie qui parle aussi du monde. Et puis aujourd'hui, Cali, auteur, compositeur, chanteur, et il ne vient pas chanter ici, il viendra le 30 mars à l'Opéra pour un concert unique, peut-être qu'on va en parler à la fin. Mais aujourd'hui, le fil rouge, le fil qui va conduire cette rencontre, c'est cet ouvrage que nous avons découvert et dont on a fait lire un chapitre, son texte aux étudiants, Brigadiste, ouvrage paru en 2016, et qui parle de certaines personnes qui ont un jour croisé, c'était, je dirais, Solidarité internationale, qui s'appelait les Brigades internationales, solidarité qu'on n'a pas vue dans d'autres conflits, ni au conflit des Balkans, ni en Syrie, etc. Donc, moment unique et moment de fraternité. Dire aussi que parler de Cali, c'est pour ça que cela nous interpellait, qu'on avait très, très envie de l'avoir ici, c'est parce que ces histoires intimes de la guerre d'Espagne, ces histoires familiales, relient le passé et le présent. Il parle de tous les combats, il y a beaucoup de combats dans ses textes, dans ses chansons. Il y a aussi beaucoup de résistances, ce sont des résistances passées et présentes. Et on a parlé de Maria Pilar, moi mon prénom c'est Pilar, jusqu'à présent, quand je parlais de moi, il fallait toujours que je fasse référence à une vierge que se trouvait en Aragon, que les angelots descendaient, etc., à une basilique. À partir de maintenant, j'ai une référence laïque, c'est la grand-mère de Cali, qui s'appelait Maria del Pilar, donc c'est une référence. Donc et voilà, maintenant vous connaissez mon prénom, et quand je le dirai, j'aurai une autre référence, qui est aussi très importante. Donc, ce que j'aime de Cali, maintenant que je suis toute troublée, c'est que dans ses chansons et dans ses textes, et c'est vrai que je dirais que je l'ai découvert comme chanteur avec l'espoir. Et dans ces CD, il y avait les chansons sur les grands-parents, il y avait beaucoup, beaucoup de textes qui nous parlaient. Et ce qui m'a toujours interpellée de ces textes que j'ai relus, que j'ai vus à la lumière de cet engagement contemporain, c'est surtout un passé qui se conjugue au présent. Et je dirais que tous ceux qui sommes ici, qui travaillons sur l'histoire, c'est un peu le propos de l'historien, c'est-à-dire un passé en même temps pour l'Espagne, un passé qui ne passe pas. Donc, comme je ne voudrais pas retracer ici aujourd'hui son parcours de chanteur, auteur, compositeur, je voudrais tout de suite aller vers l'histoire familiale, l'histoire intime, parce que déjà, dans les petits moments où on s'est rencontrés autour d'une bouteille d'eau et d'un café, il y a beaucoup de choses qui nous interpellent aujourd'hui. Donc, on va laisser la partie chanteur et sa longue et importante carrière en tant que chanteur pour la rencontre qu'on fera au mois de mars et autour de son concert. Donc, sans plus tarder, je vais donner la parole à Sonia qui va introduire cette première partie et ensuite Cali répondra aux questions de Sonia sur la première partie. Merci. En effet, Cali nous intéresse toujours, mais aujourd'hui, c'est pour qu'il nous parle un peu de son histoire familiale. Je pense que l'histoire de chaque famille
surtout dans ce cas-là, est un bon exemple de l'intra-histoire. Donc, pas de l'histoire avec des majuscules, mais comment on fait l'histoire, la petite histoire, l'histoire qui compte pour les gens de tous les jours, quoi. Donc, je voudrais que tu nous racontes un peu sur comment ton grand-père arrive en France. D'abord, comment s'est fait cette... Qu'est-ce qu'il a fait pour partir ou commencer cet exil dont Pilar parlait tout à l'heure? Là, ça fait prof et là, ça fait chanteur. Putain. Bonjour, bonsoir. Je suis vraiment impressionné là et puis à la fois amusé parce que je vais répondre, mais juste parce que si mes amis qui étaient en classe avec moi me voyaient aujourd'hui à cette table, je pense qu'ils rigoleraient beaucoup, je crois. Alors, oui, je suis très fier et de parler de mon grand-père. J'ai perdu mes parents très tôt, mais mon papa, avant de partir, nous a expliqué, je dis nous étions quatre enfants à la maison, j'étais le plus petit, et nous a expliqué que toute sa vie était dédiée à un héros qui était son père, Giuseppe Caliccioli, mon grand-père. Et moi, j'étais trop jeune pour comprendre tout ça, donc je suis passé vraiment à côté. Et quand mon papa est parti, j'ai commencé à m'intéresser à cette histoire-là, et je me suis dit, mais c'est quand même fou, tu n'es pas en train de regarder un film ou de lire un livre, tu as un grand-père qui était un héros. Donc mon grand-père Giuseppe Caliccioli est né en 1900 à San Stefano, en Calabre, sud de l'Italie. Et très tôt il s'est engagé contre Mussolini, contre ce fascisme-là, cette horreur-là, et avec une poignée d'amis, de jeunes fous, je dirais quoi. Voilà, ils allaient se battre, ils allaient tout faire pour contrecarrer les plans de ce salopard, quoi, quelque part. Et puis, évidemment, il n'y avait pas Internet, donc ils étaient chez eux dans des villages, il y avait des rumeurs de la rue, il y avait peut-être un journal qui traînait, peut-être il y avait la radio, et ils apprenaient qu'il y avait des opprimés quelque part, il y avait des gens qui souffraient quelque part dans le monde, et lui prenait son baluchon et partait pour aller sauver ces gens-là, en tout cas se battre avec eux à leur côté. C'était complètement fou comme démarche. Aujourd'hui on peut se dire on a la guerre à 2 heures d'avion, Et on peut être contre ça, on peut se dire, on peut se révolter, tant mieux de se révolter, mais on n'y va pas, quoi, au combat. Et lui, il y allait, voilà, c'était ça. Alors, il s'est engagé rapidement dans les brigades internationales, le créé par le Comintern. Il s'est rapidement engagé là-dedans avec d'autres. Et il est allé aussi, il est parti aux États-Unis, il est parti au Canada à un moment, ouais, pour défendre la cause de Sacco et Vanzetti. En fait, il est allé, c'est-à-dire on part aux États-Unis, on prend le bateau, on va là-bas, et ces deux innocents condamnés à mort. Et j'ai relevé un passage de les derniers mots de je veux juste les dire parce que pour moi c'est ce qui, pour moi le cette phrase-là, c'est une plaidoirie en faveur de l'engagement, vraiment. Et c'est ce qui résume un peu tout ça, quoi. Voilà. C'est Vanzetti, avant de mourir, sur la chaise électrique. Si cette chose n'était pas arrivée, j'aurais passé toute ma vie à parler au coin des rues, à des hommes méprisants. J'aurais pu mourir inconnu, ignoré, en raté. Ceci est notre carrière et notre triomphe. Jamais dans toute notre vie, nous n'aurions pu espérer faire pour la tolérance, pour la justice, pour la compréhension mutuelle des hommes, ce que nous faisons aujourd'hui par hasard. Nos paroles, nos vies, nos souffrances ne sont rien. Mais qu'on nous prenne nos vies, vies d'un bon cordonnier et d'un pauvre vendeur de poissons, c'est cela qui est tout. Ce dernier moment est le nôtre, cette agonie est notre triomphe. Et voilà, il est allé défendre ça. Pour moi, c'est ça le résumé d'un peu tout ça, cette histoire. Alors, il est rentré, et évidemment, avec ses,
sa bande de potes courageux, quoi. Ils sont allés en Algérie pour prendre d'assaut le consul d'Italie qui représentait Mussolini. Alors une quarantaine d'Italiens comme ça qui vont prendre le consul, voilà. Et puis la guerre d'Espagne, évidemment. Les brigades internationales italiennes vont là-bas. Il était lieutenant. Son nom de code, c'était Tritt. Ouais. Et il est parti se battre sur le front de Brunete, près de Madrid. Madrid qui était... Il y a eu des combats terribles. Et les républicains espagnols ont eu le temps quand même de se préparer. C'est-à-dire qu'il y avait quand même... les brigadistes. Les républicains étaient là un petit peu désordonnés. C'était compliqué. Pas habitués au combat. Et eux leur ont amené leur expérience. L'idée, elle est là. Le combat terrible, des milliers de morts des deux côtés. Lui, il a été blessé à Brunete, juste sur le front de Brunete. C'est très émouvant pour moi, parce que je ne sais pas si vous avez vu, il y a un film qu'il faut voir, c'est La tragédie des brigades internationales. Et on voit des images, on voit Hemingway, on voit tous ces gens-là, et on voit des images du front de Brunete. Quand j'ai vu ça, j'ai vu mon grand-père, quoi. Je me suis dit, waouh, il est là, quoi. Blessé, c'est une charmante doctoresse qui s'appelle Maria Pilar, qui l'a soignée, voilà. Et elle était engagée déjà, elle était fiancée, mais elle est tombée sous le charme de ce héros aux yeux verts. C'était dingue, quoi. Et ils sont partis tous les deux à Barcelone. Mon père est né à Barcelone, donc on se rapproche de la France. Mon père est né à Barcelone le 11 juillet 1938, et la débâcle des républicains espagnols. Donc tout le monde fuit comme il peut. Les républicains se font assassiner au coin des rues, c'est terrible. Et donc on fuit Franco la muerte, le salopard, on le fuit. On passe la frontière et on se dit qu'en France, on sera accueilli par un pays des droits de l'homme. Le passage est terrible, la frontière espagnole. Le froid, l'hiver, la neige. Mon papa est passé dans une brouette en guise de landau. Et les hommes sont séparés des femmes dès le passage de la frontière. Donc Giuseppe part d'abord à Gurs et puis à Argelès, plage. Vous allez peut-être en vacances là-bas. Les plages que vous voyez, c'est des plages qui étaient... Il y avait des campements, il y avait des tentes, il y avait des conditions de vie horribles. Il y avait des enfants qui avaient besoin de boire. Et parfois, les mamans allaient jusqu'à la mer chercher de l'eau, quoi, quelque chose, et ils se faisaient tirer dessus par des milices françaises. Séparés, donc, grand-père Gurs Argelès, grand-mère avec mon papa, et au camp de Saint-Cyprien. Moi, j'appelle ça des camps de concentration. C'est peut-être très fort. On peut appeler ça internement, ce qu'on veut. Mais les gens qui ont vécu ça parlent de camps de concentration. Et en quelque part, c'est une... Voilà, c'était... C'est... Donc, ils sont... Il y a une petite fille qui naît. Ma grand-mère met au monde une petite fille qui est là, qui grandit, et puis qui tombe malade. A priori, c'est pas une maladie trop grave. Elle tombe malade, mais évidemment, on n'a pas les soins, on n'a pas les... Et des docteurs sont venus chercher des enfants. Des docteurs sont venus chercher des mômes, et elle en faisait partie. Donc ma grand-mère, évidemment, a laissé sa petite pour qu'elle se sauve. Et ils n'ont jamais revu. Voilà, ils n'ont jamais revu la petite. On ne sait pas. Donc, ils ont cherché après la guerre, après tout ça, où elle... Voilà, et aucune trace. Aucune trace aucune déclaration de décès, rien. Aujourd'hui, on a appris avec ma tante, qui est une sœur qui est arrivée après. Elle est toujours vivante, la sœur de mon père. On a vu des témoignages là de mômes qui sont... Il y a des preuves, des enfants qui ont été enlevés par des couvents, des riches personnes qui ne pouvaient pas avoir d'enfants et qui venaient prendre ces mômes comme ça. Alors je me dis que Psypho, j'ai peut-être quelqu'un de ma famille là qui est... Je ne sais pas. En tout cas, voilà. C'est tout ça, ce sont des tragédies. Et voilà l'arrivée de... Voilà, pour répondre à la question, c'est voilà comment mon grand-père est arrivé en Catalogne. Et la génération donc d'après, mon papa était sur Perpignan après. Pourquoi ils n'ont pas bougé? C'est ma grand-mère a toujours voulu rester là-bas parce qu'elle s'est dit qu'un jour, elle croiserait dans la rue sa fille. Elle avait toujours ce truc-là.
Donc nous, on était là-bas, et puis moi, je suis né là-bas. Donc c'est pour ça que je suis catalan. Et je n'aime pas dire, en fait, je suis catalan, ok, mais je suis espagnol, je suis catalan, je suis italien, j'ai du belge, j'ai du... et je m'en fous. C'est-à-dire que voilà, je suis du monde entier, et c'est tellement terrible de voir aujourd'hui voilà, ces fragmentations. Voilà. C'est l'histoire de mon grand-père. Bien. À travers ton grand-père, je crois qu'il est, c'est un personnage assez emblématique de toute cette génération, on en parlait un petit peu tout à l'heure, qui a vécu une période terrible et puis en même temps fantastique au niveau de l'engagement, au niveau de cette période d'exaltation, et en plus dans cette communauté italienne qui était très importante en France, et dans cette expérience des brigades internationales qui était assez unique dans l'histoire, où plus de 50 nationalités arrive en Espagne pour combattre le fascisme. Et les Italiens sont pratiquement les premiers à réagir, puisque dès début août, je crois que c'est le 3 août, il y avait 200 Italiens qui étaient à Perpignan, dans ta ville, pour passer la frontière et aller se battre de l'autre côté, surtout anarchistes et communistes arriveront juste après. C'est-à-dire qu'il y a une conscience déjà énorme, comme tu disais, du malheur d'ailleurs, pas seulement de leur propre malheur à eux, et que c'est une force aussi de continuer. Ils ne voulaient pas... Ça, c'était. Ils ne voulaient pas que les Espagnols, le peuple espagnol, vivent la tragédie italienne, le fascisme de Mussolini qui arrivait en Espagne. Ils connaissaient ça, ils ne voulaient pas. C'est ça. C'est, tu m'as juste devancé. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est-à-dire que non. Tu as très bien fait. Non, très bien. C'est dire aussi ce que certains historiens ont dit, que chez cette communauté, il y avait quelque part une pointe de culpabilité de ne pas avoir fait le nécessaire pour combattre l'arrivée de Mussolini au pouvoir, et qu'ils auraient pu peut-être se battre plus, et que là, voilà, c'était l'opportunité, et que beaucoup sont partis essayer de ce combat qu'ils ont eu contre Mussolini, le continuer en Espagne. Ils l'ont continué, il y a un épisode célèbre que tout le monde connaît, c'est la bataille de Guadalajara, où les soldats de Mussolini se retrouvent en face entre d'autres Italiens du bataillon Garibaldi, dans lequel était ton grand-père, où c'est une guerre civile dans la guerre civile. Donc, c'est vrai que c'est un événement qui a marqué les brigades nationales, la vie de ton grand-père, et pas seulement en plus au niveau politique et engagement, mais au niveau personnel. Alors, comment cette expérience très très forte est venue jusqu'à toi? Comment elle a été transmise? Tu nous disais que, en fait, c'est arrivé assez tard, tu l'as dit tout à l'heure, c'est arrivé assez tard. Et ce que tu dis me fait penser également un petit peu à la première scène du film de Ken Loach, Terre et Liberté, où c'est la même chose, c'est-à-dire c'est la petite fille que, quand son grand-père est mourant, qui découvre le passé de son grand-père et d'un coup qui remonte tout. Et quelque part, on le découvre comme ça, un passé dont on n'a pas beaucoup parlé après et qu'on découvre après. Comment s'est faite cette transmission de la mémoire et que t'a-t-elle apporté, toi, personnellement, dans ta vie? Alors, pourquoi ça ne s'est pas fait directement? Pourquoi ça ne s'est pas fait rapidement, peut-être? J'ai vécu avec ma grand-mère, c'est-à-dire qu'elle était dans mon village. Je l'ai connue, Maria Pilar, je l'ai connue pas mal d'années, mais elle ne parlait pas. Elle avait quelque chose au fond d'elle, un vrai secret, et je crois que c'était ça le secret. C'est-à-dire qu'elle ne pouvait pas parler de ça, elle n'y arrivait pas. Et j'avais deux grands-mères, Stella de l'autre côté, puis Pilar de l'autre, et j'allais souvent chez Stella parce que justement c'était autre chose, elle me prenait dans les bras, on rigolait, un gamin a besoin de ça. Et j'étais très réticent quant à l'idée de visiter l'autre grand-mère. Elle ne parlait pas beaucoup, elle m'aimait profondément, évidemment. Mais quand elle s'adressait à moi, son français était teinté d'espagnol. C'était difficile à comprendre, très, très, très... voilà, c'était... Et avec mon papa, elle parlait espagnol, donc je ne comprenais pas vraiment ce qui se passait. Mais elle avait ce secret-là, elle avait ce secret-là. Donc, c'est mon papa qui est venu vers nous à une période pour nous en parler. Mais moi, encore une fois, je suis passé à côté, j'ai une grande sœur... Sandra Aldo Gina, j'ai trois au-dessus de moi. Et Sandra a beaucoup plus pris les choses. Aujourd'hui, j'en parle avec elle. Elle me dit, t'étais un peu jeune encore, quoi, pour comprendre tout ça. Mais après tout a déboulé, quoi. C'est-à-dire que pourquoi je me suis revenu vers ces histoires-là, c'est on parle aujourd'hui de la tragédie des migrants. On parle. Mais alors aujourd'hui, il y a tout ça, mais il y a toujours eu ces discours extrémistes envers l'étranger, cette haine de l'étranger, ce refus d'accueillir l'étranger. Et je me suis dit un moment,
Mais c'est pas possible. C'est-à-dire que moi, je suis un étranger. C'est-à-dire que mes grands-parents ont vécu ça. Comment on peut accepter tout ça? Et donc là, je suis allé chercher l'histoire. L'histoire de mon papa nous a laissé une lettre. Il racontait dans la lettre donc toute sa vie. Pourquoi il a été il a regardé son papa comme un héros. Il nous met dans la lettre avant de mourir. Mon père était un héros. Et moi, j'ai compris ce mot héros. Pour moi, c'était un héros. C'est dans un film, dans un livre. Non. Il était là, il l'a vécu. Et donc je suis allé chercher pour comprendre ce qui se passait avec les étrangers aujourd'hui, pourquoi, voilà. Et c'est là que j'ai bu un peu tout ça. J'ai la chance d'avoir des traces. J'ai un foulard de mon grand-père, de Giuseppe, le foulard des brigades internationales, rouge. Alors je l'imagine au front avec ce foulard. C'est moi qui l'ai chez moi, quoi. Et d'un côté, il y a le petit drapeau italien, le pays d'origine, et de l'autre côté, le pays où il est allé combattre, l'Espagne, le petit drapeau. C'est quelque chose. Aujourd'hui, quand je vais... c'est un petit peu mélangé ce que je dis, mais parce que aujourd'hui, quand j'en parle à mes enfants, ils ont besoin de ça et j'ai besoin de leur en parler. Je les amène sur des lieux, je les amène voir des camps, je les amène parler à des personnes qui sont encore en vie. Je sais que vous avez croisé des anciens brigadistes, voilà, des personnes de certain âge. Et mes enfants veulent savoir ce qui s'est passé avec leur arrière-grand-père, qui est pas très loin, arrière-grand-père, c'est hier. Et donc voilà comment, voilà pourquoi moi je suis cette histoire-là. Mais ça me révolte totalement parce que je me dis que l'histoire n'a pas retenu la leçon. Les grands-parents accueillis comme des chiens en France. Aujourd'hui, quand je vois les femmes, les hommes, les enfants, voilà, qu'on appelle des migrants, c'est le nom, voilà, on leur donne ce nom-là. C'est pas très beau ce nom, je trouve. Quand on voit Calais, ouais. Mais les gens qui quittent les viols, les exactions, les morts, et qui se disent qu'ils seront accueillis dans les pays des droits de l'homme. Et qui espèrent une vie peut-être meilleure, alors on leur dit, mais retournez. Alors, il y en a qui disent, retournez chez vous, ne venez pas nous piquer notre pain, retournez chez vous, nous piquer notre travail. Mais chez eux, c'est comme si on fuyait des flammes et qu'on disait à la personne, non, il faut que tu sautes à nouveau dans les flammes, c'est pas possible. Donc aujourd'hui, je loue et je remercie et je soutiens les héros du 21e siècle. Mon grand-père, donc, c'était 20e. Mais les héros du 21e, aujourd'hui, c'est tous ces citoyens solidaires, comme Cédric Héroux, qui risquent d'aller en prison tous les jours parce qu'ils sauvent des vies humaines. C'est eux, les héros. Les brigadistes de l'époque, ce sont eux, aujourd'hui, là, qui mènent ce combat-là. Et c'est vraiment important de prendre conscience que ces gens-là sont avec nous, on peut les aider, on peut être avec eux. Et plus on sera avec eux, moins ils seront traités comme des parias. C'est important. Tant qu'ils resteront isolés, ben, y a des risques, pour eux en tout cas. Et plus on se montre avec eux, plus on est avec eux, plus on est nombreux, et ben plus le combat va se dérouler à armes égales, quoi, et comme il faut. Voilà, y a une association qui s'appelle Habitat et Citoyenneté. C'est très important. Allez voir ça, Habitat et Citoyenneté. C'est du côté de Nice. Et ils accueillent en tout cas, ils font passer la frontière à des migrants, des gens, des femmes, des enfants qui seraient totalement laissés pour mort au bord de la route parce qu'ils arrivent sur des bateaux au sud de l'Italie, mais après. Et donc, ils vont les chercher. Et ils essaient de leur trouver. Voilà, et puis après, ils partent ou en Allemagne ou un petit peu en France. Ils essaient de trouver des... Et ça se passe plutôt bien. C'est-à-dire que c'est les témoignages de personnes qui ont été accompagnées. Ce sont des personnes bien intégrées qui ont une vie qui peut ressembler à une vie, quoi, maintenant. Voilà. C'est vraiment important d'aller voir ça, Habitat et Citoyenneté. Donc, enfin, je ne sais pas, mais c'est voilà. Et un aspect qui me paraît important, c'est cette génération du silence. C'est-à-dire cette génération qui a vécu la guerre et qui ne pouvait pas en parler. Et nous avons énormément de témoignages en travaillant sur la période d'une incapacité à formuler, à verbaliser la souffrance. Et aussi, dernièrement, j'étais à Marseille où il y a un film espagnol, un des derniers qui a été fait sur la guerre civile, Une certaine gloire, ou Gloire incertaine, d'Agustí Villalonga, un réalisateur catalan.
Et dans cette fiction, il y a aussi non seulement le silence des mots, mais la difficulté aussi de transmettre l'affection. Et donc, les gens qui témoignaient de cette période, donc c'était Marseille, c'était aussi un peu ce genre de vivencias, disaient que cette grand-mère ou ses grands-parents étaient incapables d'un geste d'affection. C'est comme si vraiment cela leur avait été ôté. Et ce n'est que vers la fin de leur vie qu'à la faveur d'une sorte de relation, comme si c'était vraiment le dernier témoignage à passer, il y a une sorte d'ouverture vers les autres générations, mais surtout la génération des petits-enfants, pas les enfants. Donc je crois qu'il faudrait aussi dire comment finalement, et Sonia l'a rappelé aussi, comment en histoire on est redevable de tout ce pan de l'affection qui s'églisse toujours dans les plis de l'histoire et que nous, en histoire, on ne peut que quantifier. Mais on ne peut jamais avoir les mots pour parler de ce silence, de cette difficulté des gestes affectueux et de ce que toi, tu disais par rapport à ta grand-mère. Je ne sais pas s'il y a d'autres témoignages. C'est bien d'entendre ça parce que je comprends des choses aussi. Ouais, ça, c'est bien d'entendre ça, oui. Mais c'est un silence. Elle cachait un secret, elle cachait quelque chose, elle cachait une souffrance, et voilà, c'était ça. Dans ta carrière, quand arrive ce sujet, ça a surpris également sur le nombre de tes fans que tu abordes ces sujets-là, qu'évidemment c'était assez nouveau. Et quand je t'ai vu aborder ces sujets-là, qui aussi m'ont surpris, ça m'a fait penser, et tu me diras si c'est juste ou pas, à un autre chanteur qui, notre génération à nous, on a adoré, c'est Lenny Scudero. Et qui abordait exactement la même thématique, qui a commencé aussi par des chansons d'amour, avec, et tout à coup aborde ça, l'histoire de son père, il a une magnifique chanson sur son père aussi, qui a combattu à Teruel. Voilà. Et il y a une similitude, mais à l'époque, il prêchait dans le désert, parce qu'évidemment, tout ça, c'est un peu l'oubli. Et ta période, peut-être qu'on est plus sensible, on est peut-être plus ouvert maintenant à ces thématiques-là, et que cette transmission, peut-être aussi parce que la diffusion, la communication est différente, mais peut-être qu'on vient à des valeurs qui sont peut-être plus universelles qu'à une époque, comme tu disais Pilar, où c'était le silence total. On a oublié les brigadistes, beaucoup se sont retrouvés en prison après la guerre d'Espagne, que ce soit dans les pays de l'Est, aux États-Unis n'en parle pas, le McCarthyisme les a liquidés pratiquement tous. Donc il y a une chape de plomb qui est tombée, et que maintenant, peut-être grâce à ta musique, Lenny Scudero avant, ben, c'est peut-être le moment d'en parler et d'ouvrir et de faire tendre, construire des ponts avec ce qui se passe aujourd'hui. Est-ce que tu crois qu'aujourd'hui on peut en parler et l'intégrer dans une carrière comme la tienne? En disant qu'il y a une unité dans tout ça, en fin de compte, non, je ne parle pas d'un autre monde, d'une autre lune, c'est pareil. Je parle de mon grand-père, comme toi, on voit une similitude, en plus avec ton grand-père, on t'a mis une étiquette parfois de chanteur contestataire, rebelle, qui défend des causes politiques, sociales. Il y a un lien peut-être avec cette génération, tout ce que tu fais dans ta carrière. Voilà, je suis très fier. Hein, de ce que... je vais frimer un petit peu, ouais. Non, ouais. Non, mais oui, mais... Peut-être que si j'étais arrivé avec ces chansons-là dès le début, j'aurais pris des coups de fusil, quoi. Parce que le monde du disque et du show business, c'est pas du tout ça, quoi. Alors, je crois qu'au début, j'étais rassurant. Je crois. Je rassure pas trop, en fait, quand les gens, en fait. Mais j'étais rassurant en arrivant avec des chansons d'amour. Mais pourquoi ? Parce que j'ai eu une rupture amoureuse terrible. Et je me suis soigné en écrivant juste des chansons. Et comme on vit tous des ruptures amoureuses terribles, j'ai touché des gens parce qu'ils vivaient la même chose, quoi, voilà. Et ça s'est super bien passé. Et après, quand je suis arrivé avec ça, waouh, j'ai une partie du public qui m'a tourné le dos. Et puis une autre qui était encore plus avec moi, enfin, quand je dis avec moi, c'est-à-dire qui était d'accord avec, en disant, ouais, mais c'est bien, il faut aller se battre et tout. Mais c'était chaud, hein. Mais par contre, quand il y a une dame dans la rue, une dame dans la rue, je me souviens, j'ai sorti ce disque-là, une dame dans la rue à Perpignan, d'un certain âge, qui m'a regardé dans les yeux et qui est venue m'embrasser, qui m'a dit merci et qui est partie, quoi, comme ça. Mais là, je me suis dit, rien que pour ce merci et ce bisou, je suis content d'avoir fait ça, vraiment, ouais. Après, on peut pas tricher toute la vie, c'est-à-dire qu'à un moment, si on peut pas garder ça au fond de soi, moi j'ai tellement menti dans ma vie, aujourd'hui je mens plus, quoi. Enfin, c'est-à-dire, je mens plus si je mens, mais je. Je dis les choses, quoi, aussi, voilà. Les chanteurs qui sont toujours tout lisses et tout ça, tout le temps, c'est des crapules, quoi. Parce que c'est pas vrai.
C'est qui qu'on aime? On aime Higelin, on aime Thiéphaine et Lavilliers, enfin moi, dans les papas, quoi. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont des vies de haut, de bas, le gouffre et le soleil, quoi. Et c'est une vie d'homme qu'on a tous, quoi. C'est-à-dire qu'on vit... Mais c'est faux. Si vous regardez un chanteur qui sourit toujours à la caméra et qui dit « Non, non, tout va bien », c'est un menteur, une crapule, voilà. Je dirais pas des noms, peut-être. Mais en tout cas, non, je sais pas, c'est pour juste dire, on parlait de musique, j'en parlerai pas plus, mais il y a un film qu'il faut voir important, c'est Mourir à Madrid, hein, Frédéric Rossif, hein, c'est important de voir ce film. Et quand tu parlais de la transmission, les enfants, aujourd'hui, je sais pas si vous êtes allé voir le mémorial, visiter le mémorial de Rivesaltes, c'est vraiment important. C'est-à-dire si vous descendez dans le sud, en Espagne ou à Perpignan, vous sortez à Perpignan Nord et sortez autoroute, et c'est juste là. Mais juste là, c'est un lieu avec des kilomètres carrés, des étendues de ruines, de baraquements prêts à tomber. Ils ont failli raser ça. Il y a une vraie histoire, quoi. Une poignée d'années derrière, ils ont failli le raser en disant « on va faire autre chose là-dessus ». Mais évidemment que tout le monde s'est soulevé. On a dit « mais vous êtes malade, vous rasez ça, c'est vous ». Ben, vous scalpez l'histoire, quoi. Et donc là, on est allé de l'autre côté. Il y a une personne politique qui était bienveillante, qui a mis en branle ça, quoi. Il y a un mémorial sous la terre. C'est Eric Ciotti, je crois, qui a fait le... Ricciotti ou Ciotti, comment on dit? Ricciotti. Ricciotti, c'est l'autre. Non, c'est l'autre. Ouais, c'est pas lui. Non, ouais. En tout cas, ben, c'est l'architecte. Et il y a les camps qui sont là. Et sous la terre, le mémorial. Et là, il y a les témoignages. Il y a les témoignages de... Alors, ce qui est fou, c'est que les gens qui ont vécu les tragédies juste au-dessus du toit, voilà. Et il y a leurs témoignages en dessous, là. C'est un trésor incroyable. J'ai amené mes enfants là-bas, pas la toute petite, qui a 5 ans, mais 20 ans et 12 ans. Eh ben, ils ont... Évidemment qu'ils étaient intéressés, évidemment qu'ils ont voulu croquer tout ça et voir ce qui se passait. Elle m'a posé des questions, ma petite... importante, quoi, c'est-à-dire pour... on comprend pas, c'est... Et là, c'est un camp qui était de 38 à 70, ouvert, de 38 à 70. Il a accueilli les Tziganes, les Harkis, les Républicains espagnols et les Juifs. Donc il y a 4 histoires incroyables mélangées dans ce camp. Et on comprend beaucoup de choses. Les Juifs, quand même, chez nous, au moment des rafles, ils pouvaient peut-être se sentir tranquilles dans le sud, enfin, on pouvait cacher, se dire, bon, peut-être que... Non, non, c'est les soldats, les policiers français, qui allaient les chercher chez eux, par dénonciation, évidemment, qui allaient les chercher pour aller dans ce camp-là. Et puis, de ce camp-là, pour aller à Drancy, et pour aller dans les camps de la mort après, il y a des trains qui partaient, des trains de la SNCF. Voilà. Et aujourd'hui, on essaie de le cacher, de ne pas en parler. C'est dommage, voilà. Il faut le dire, c'est tout. C'est l'histoire. Ça s'est passé comme ça. Et tout ça, il faut le raconter. C'est pas pour dire, ouais, vous avez fait ça, vous avez fait... Non. Voilà, on raconte l'histoire. Enfin... C'est juste pour dire, c'est quand même une page très, très noire de l'histoire de France. Donc, on a essayé de l'effacer quand même. On a même eu... Il y a eu un camp ici, à quelques kilomètres d'ici, à Châteaubriand, dont personne ne parle, mais dans la rivière. Il n'a pas été ouvert très longtemps, de 39 à 40, mais dans les mêmes conditions, bon, un camp, dans les mêmes conditions que Saint-Cyprien, Barcarès et Gurs, etc. Mais voilà, on l'a effacé, et puis il n'y a aucune mémoire historique dans la région de ce camp. Donc, c'est quand même une page très noire qu'on a essayé d'effacer le plus possible, et qui revient maintenant. Et d'y a contribué, et maintenant beaucoup de livres sont parus maintenant sur ce sujet, et enfin on en parle. Nous on en parlait, il y a, comme on est déjà des professeurs avec un certain âge, il y a 20-30 ans ça, et on ne voulait pas, ah bon il s'est passé ça, et on les a accueillis comme ça, mais si, il y a eu des milliers d'aidés dans des conditions absolument immondes, dans des camps avec des fils barbelés, des populations amies, pas ennemies, et on avait du mal ici à vous prendre nos étudiants, à faire passer, maintenant ça y est, apparemment ça vient, mais ça met du temps. Le camp de Rivesaltes, où maintenant il y a un mémorial, comme tu dis. Et... Mais ce qui est important, c'est que si on est là, c'est qu'on est intéressé par ce moment-là, quoi, cette histoire-là. Si on est tous là aujourd'hui, je pense que c'est ça. Je vous ferai parvenir, parce que j'ai eu accès à des témoignages. Je vais leur demander si je peux. Mais ils vont me dire oui, on s'aime très fort. Je vous ferai parvenir des témoignages. La lecture de ces témoignages, c'est complètement fou. C'est pas. Voilà, c'est. Et j'ai eu la chance de. Ouais, c'est une chance énorme. Au mois de septembre, on en parlait tout à l'heure, j'ai joué au mémorial de Rivesaltes à 6h du matin.
Donc il faisait nuit, ou 5h30, enfin en tout cas on attendait le soleil, et la seule lumière c'était le soleil qui devait arriver. J'étais au milieu des baraquements, aucune lumière, assis sur une chaise avec ma guitare et une petite loupiote pour lire des textes et des poésies. Et le soleil se levait comme ça, derrière, et les gens sont arrivés, j'ai vu des grappes de gens arriver dans la nuit, c'était comme des fantômes dans la nuit, comme ça. Ils se sont assis devant, sur des couvertures, ils ne me voyaient pas, je ne les voyais pas, et puis je les ai vus apparaître avec le soleil, c'était fou. Et à un moment, il y a une dame qui s'est levée, de 90, je crois, Pepita, je me souviens, et qui est venue chanter une chanson espagnole, comme ça, avec le poing, comme ça, et qui avait vécu tout ce truc-là. Enfin, c'était complètement fou, voilà. Et à 6h du matin, au milieu des ruines, Pepita qui levait le poing, qui chantait. Waouh ! Ouais, mais rien que ça, mais... Wow. On va vous donner la parole. Je suis bavard. Non, c'est nous, les profs qui sont bavards. Bonsoir. Je voudrais savoir, un peu plus rentrer dans l'histoire de votre grand-père, si jamais vous... Vous savez un peu plus de précision concernant l'embrigadement, vraiment l'entrée dans les brigades internationales. Est-ce que ça a été fait par de la propagande du Parti communiste ? Est-ce que c'était une volonté vraiment propre ? Ou est-ce qu'il y avait un petit peu des deux ? Voilà, si, vraiment c'est... sur le tout début en fait. Comment il est rentré dans les brigades en fait ? Ça serait mentir que de donner une réponse sûre et ferme, mais je crois que vous avez raison, ce sont les deux, le communisme évidemment, cette propagande-là, mais c'était ce qu'on disait tout à l'heure aussi, c'était une envie de préserver le monde de la tragédie que vivaient les Italiens et une envie de combattre ce qui n'a pas pu être combattu auparavant. Je crois que c'est des deux. Mais c'est difficile aujourd'hui. On n'a pas vraiment les... J'ai des gens qui... Il y a des gens qui m'envoient des archives. Des fois, je reçois des choses incroyables. Hein, ils me disent, on a retrouvé en Russie des documents sur les brigades internationales. On a retrouvé des choses. Et on a retrouvé le nom de ton grand-père. Donc, il y avait... J'ai vu des noms et j'ai vu le nom de mon grand-père et des appréciations de trois petits mots comme ça. Mais il y en avait des milliers comme ça. C'est assez étonnant. Mais c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme je peux en parler à un micro ou dans des chansons ou dans des concerts, j'ai parfois des gens qui me ramènent des choses. Mais je n'ai pas le puzzle total, quoi. Je ne sais pas. Mais je crois que c'est... Peut-être que tu auras la réponse, toi, plus que... Oui, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Non, effectivement, c'est un élan au niveau personnel, individuel, de mon entier. Je crois que c'est 52 nationalités, donc ce sont énormes. Des Américains, des Chinois, essentiellement des Français, c'est le Front populaire, des Allemands, les anti-nazis, évidemment, qui sont réfugiés en France, et les Italiens, bien évidemment. Ensuite, c'est vrai que l'idée des brigades internationales vient du Parti communiste et de Moscou, du Comintern, donc qui fédère un petit peu tout ça, et que les centres de recrutement sont en Paris, et que c'est le Parti communiste. Alors vous pouvez le visiter encore, hein, le centre de recrutement, c'est la Maison des Métallos actuellement, qui est un centre culturel très intéressant à Paris, dans l'islamien. C'est là que se faisait le recrutement, notamment André Marty, qui était français, qui dirigeait tout ce recrutement, et également des Italiens, et ensuite qui étaient dirigés vers l'Espagne. Mais tous les combattants n'étaient pas communistes, une grande majorité, et notamment les cadres, c'est évident. Mais beaucoup d'entre eux n'étaient pas communistes et ont combattu. Par exemple, il y a eu beaucoup d'Espagnols dans les brigades internationales aussi, ou également beaucoup d'Espagnols qui n'étaient pas obligatoirement communistes, même si la direction l'était jusqu'au bout. Hein, c'est-à-dire, et c'était même une organisation, de là qu'ils ont été très efficaces. L'organisation, la discipline du Parti communiste a rendu ses troupes terriblement efficaces, notamment les Italiens qui ont combattu. Donc, juste un chiffre, il ne faut pas vous embêter avec ça. Les Italiens, par exemple, il y avait entre 3000 et 3500 combattants donc dans les brigades internationales, dans le bataillon Garibaldi, qui dit ensuite la brigade Garibaldi. Il y a eu, alors c'est les chiffres qu'on a, bon, les historiens divergent parfois là-dessus, entre 600 et 700 morts, mais 2000 blessés.
2000 blessés, sans parler effectivement des prisonniers ou disparus. Ça veut dire, regardez le peu de combattants qui sont revenus intacts de ces batailles, notamment dans ce bataillon Garibaldi. Hein. Donc c'était des troupes très efficaces, mais qui ont été décimées, ont été les troupes les plus décimées pendant la guerre civile, parce qu'il y a toujours en première ligne. Mais pour répondre, effectivement, le Parti communiste l'organise, mais les combattants arrivent du monde entier, avec certains qui deviendront des célébrités par la suite, hein, dans leur pays, dans le pays de l'Est notamment. Certains sont même secrétaires généraux des pays en Tchécoslovaquie, en Hongrie, en Allemagne de l'Est. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Bonjour. Moi, je voulais juste savoir si tes grands-parents, en particulier ta grand-mère, avaient souhaité ou pu retourner en Espagne, parce que j'ai eu l'occasion de rencontrer des gens qui m'ont parlé de leurs parents, dont une, donc sa mère, qui était aussi réfugiée espagnole et qui n'a pas voulu retourner en Espagne à part très tard, juste avant de mourir, et un autre dont le père faisait partie des listes noires de Franco et qui n'a jamais pu repartir. Non, elle n'a jamais voulu retourner en Espagne. Ouais. Et on a de la famille en Espagne, donc elle a de la famille de cousins, des choses sur Madrid, et jusqu'à la fin, non, elle n'est pas retournée là-bas. Et il y a eu, donc, moi j'ai connu des Français là, enfin, qui sont là, des familles qui étaient condamnées par Franco. Donc tu parlais des listes noires et tout ça, mais condamné par Franco, qui ne pouvait pas retourner au pays, condamné vraiment, et puis à la mort de Franco, des années après, il y a une poignée d'années, c'est juste derrière, ils ont décidé de tout nettoyer, d'enlever toutes les condamnations. Vous n'êtes plus condamné, c'est terminé, amnistié, tout le monde a refusé. Non, notre fierté, c'est d'être condamné par Franco. J'ai trouvé ça dingue. Ouais. Et c'était fort, quoi. Et aujourd'hui, il y a un retour de... Ils nous ont proposé, moi je ne l'ai pas fait, mais en étant petit-fils d'Espagnol et de ces périodes-là, ils nous ont proposé d'accéder à la double nationalité. Voilà. J'ai une sœur qui est là-dedans, voilà. Et j'ai le fils de ma grande sœur, le fils de Sandra, qui est rugbyman professionnel, et qui est aujourd'hui international avec l'équipe d'Espagne. Voilà. Ouais. Bon, il n'avait pas le niveau pour être international français. Quoique aujourd'hui, bon, mais en tout cas, il est international espagnol, quoi. Ouais, non, ouais, mais voilà, c'est quand même... Voilà. Lorsqu'en 96... Et l'Espagne accueille la Brigade internationale. C'était au moment de l'arrivée de José María Aznar au gouvernement. Donc, il y a eu un accueil qui n'était pas tout à fait un accueil officiel. Et beaucoup de brigadistes, dont certains, nous les avons reçus dans cet amphi il y a quelques années, avaient refusé la nationalité espagnole parce qu'ils ne voulaient pas accepter un régime de monarchie constitutionnelle restant toujours fidèle au régime républicain. Donc on avait eu un débat très très intéressant, et évidemment en tenant compte de ce qu'était la République de 1931, mais pour certains c'est impossible d'accepter une monarchie constitutionnelle incarnée par un roi, etc. Donc il y avait toute la lecture du franquisme. Et aujourd'hui, on ne voulait pas en parler, mais aujourd'hui ce qui se passe aujourd'hui en Catalogne chez nous, ça découle totalement d'un Franco qui n'est pas digéré, qui n'est pas passé, qui n'est pas terminé, quoi. Voilà, ça découle de là. Hein. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Pardon. Ça, enfin, la sœur de votre père qui a disparu, est-ce que vous faites des recherches actuellement pour tenter de la retrouver, ou vous avez perdu foi ? Alors... Ouais, c'est troublant en fait, mais c'est ma tante après, donc qui serait sa sœur, qui est sa sœur, qui m'a parlé de ces histoires-là, et on est allé voir. C'est très récent en fait, les ouvertures de dossiers, c'est très récent, les aveux de ces monastères quelque part qui accueillaient les mômes, soi-disant pour les soigner, et donc ce que je disais tout à l'heure pour
Donc c'est pas comme si on sait ça depuis toujours, nous on l'a appris assez récemment. Donc on s'est posé la question, mais il faut juste imaginer la complication, c'est-à-dire qu'une petite fille part dès qu'elle est là-bas, et dès qu'elle est partie dans une famille, elle n'a plus elle n'a plus de nom, quoi. Enfin, en tout cas, elle n'a plus de nom voilà, elle n'existe plus chez nous, quoi. Enfin, on l'a arraché à quelque chose. Qu'est-ce qu'il faudrait ? Il faudrait un concours de circonstances fou. Il faudrait que peut-être quelqu'un qui entende ça, ici ou ailleurs, se dise « Mais moi, ma famille, le secret de famille, je sais que c'est ça. Ils sont allés à tel endroit, à tel moment. Mais là, ça devient un film, quoi. » De Costa Gravas, quoi. Non mais il faudrait, ça pourrait être ça, mais parce que sinon c'est dingue, voilà. Mais pour moi c'est troublant, c'est vraiment troublant, hein, c'est de se dire que ben voilà. C'est un simple petit témoignage pour vous parler un peu de Bruno. Bruno, c'est lui, là. Alors, Bruno, disons que j'ai bien connu son papa. Son papa, j'ai un souvenir immense de ce bonhomme, qui était d'une gentillesse infernale, comme lui, parce qu'il a hérité de ça. Et disons que Monsieur Calissuri, Vincent, disons que nous avons passé des excellents moments ensemble. J'ai bien connu aussi Maria. Maria, c'était, quand je l'ai connue, c'était une vieille dame habillée en noir, discrète. On l'apercevait quand elle venait avec son petit, l'amener au restaurant que son papa avait ouvert, et disons, pour dire bonsoir à sa maman avant de le coucher. Je n'ai pas eu le bonheur de connaître sa maman, parce que j'ai rencontré Vincent quelques mois, ou même pas quelques, très, très, très peu après son décès. Et Bruno, il était encore tout petit, il devait avoir 8 ans, et disons que on se voyait souvent. Voilà. Disons que Vincent Calissuri et Bruno, ce sont des amours. Disons que d'une gentillesse incroyable. Pas toujours, hein. Voilà. Merci. J'ai assez dit. Merci. Bonsoir. Pardon. C'est quand même étonnant qu'il y ait une génération comme ça qui laissait passer ce passé. Parce que dans la région de Perpignan, on avait tous soit un parent espagnol, soit un grand-parent espagnol. Enfin, on était tous là. Et bizarrement, il y a eu quand même une omerta complète, quoi. Même la maternité d'Elne, par exemple, c'est un truc que j'ai découvert, moi, il y a 3 ans. Ouais, je suis d'accord. C'est plus que de la coïncidence et un secret comme ça familial, quoi, non ? Ouais. Ouais, non, mais je suis complètement d'accord. Hein. Et puis même, là, on parle de la maternité d'Elne, donc des enfants sauvés par une dame extraordinaire, des enfants qu'elle a cachés, une dame qu'elle a soignée, qu'elle a cachée, c'est chez nous. Mais aujourd'hui, on parle du mémorial de Rivesaltes, mais à Argelès, il y a juste un petit drapeau, enfin, il y a un petit endroit, c'est important qu'il soit là. Et on commémore maintenant chaque année, mais chaque année depuis une poignée d'années, quoi, ces histoires-là. Voilà, je suis complètement d'accord. C'était moi, gamin, alors peut-être que ça a contribué au fait que je ne me sois pas intéressé si tôt à cette histoire-là. Gamin, je ne savais pas du tout, on ne savait pas trop ce qui se passait. Et je suis d'accord avec ça, ouais. Ouais, c'est fou, ouais. C'était... Et nous, moi, je me souviens le mot les ritales ou les... voilà. Mon père, il se faisait traiter de rital ou de sale espagnol, quoi. Et c'était étrange, vraiment. Et pour nous qui ne comprenions pas, on se disait, mais attends, on est là, on est dans le même village, on est dans le truc, et tu te fais traiter de sale espagnol ou de rital. C'est quoi le truc? Voilà. Georges Semprin, dans un roman qui est très très beau, qui s'appelle Adieu, vive clarté,
raconte comment, quand il a passé la frontière au moment de la guerre d'Espagne, puisque sa famille était très, très engagée dans la vie politique de la République, il raconte tout simplement comment, étant adolescent au boulevard Saint-Michel, allant chercher une baguette chez la boulangère, on l'a traité des sales espagnols. Et la boulangère, disait-il, je cite mes mémoires, qui n'avait pas beaucoup de culture historique, il, en parlant de ça, il a fait, elle a fait le raccourci avec les Espagnols de l'Espagne de 1808 au moment de l'invasion napoléonienne. Wow. Et c'est là où s'en prend et s'est fait avec lui-même une sorte de promesse en disant à partir de maintenant, je parlerai le français sans aucun accent pour qu'on ne puisse plus jamais me dire cela. Moi, je garde le mien. Pour le moment, on ne m'a jamais dit ça. Non, mais Adieu vive clarté, c'est chez Folio. Et je pense que cette rencontre, ça doit donner aussi envie d'aller lire. Mais moi, je dirais que la France, en cachant ou en occultant une partie de son histoire, occultait aussi la partie de l'histoire de l'occupation. De Vichy, de la collaboration et la mauvaise conscience de la non-intervention dans la guerre d'Espagne. Là, je pense qu'il y a quelque chose de très, très important parce que lorsqu'on travaille sur le franquisme, même aujourd'hui, hein, dans une fac d'histoire ou de droit, les personnes qui écoutent la conférence, les cours, etc., sont toujours très à l'aise pour entendre parler du fascisme espagnol et italien. Mais lorsqu'on aborde la question de Vichy, et comment la police française a livré des communistes, des républicains à la police espagnole, là, il y a vraiment toujours un problème. Lorsque Richard Prost a présenté un documentaire, il y a 10 ans ici, qui s'appelle « Et notre futur », où il recueillait des témoignages des gens dont nous sommes en train de parler, qui étaient dans les camps, et que ces témoins parlaient de camps de concentration, on se souvient que dans la salle de cinéma, il y a des Français, je dis des Français, des gens qui se présentaient ainsi, qui disaient « on refuse que vous parliez de camps de concentration, ça c'est en Allemagne, ça ne fait que 10 ans ». Et donc c'est un documentaire qui est excellent, en 3 parties, et qui vraiment recueille des témoignages dans les lieux dont tu parles. D'accord. Donc il a amené des hommes et des femmes communistes, socialistes et anarchistes sur ces lieux-là. Et il parlait de ce qu'ils avaient vécu, avec une force de conviction, comme la pépita dont tu parles. Et donc, devant ces témoignages accablants, on s'est rendu compte, tout d'abord, qu'une partie de la salle refusait le terme « camp de concentration », et une autre partie de la salle d'anciens combattants de la guerre d'Espagne, d'un côté anarchiste, d'un côté communiste, refusait à nouveau, 70 ans après, la guerre d'Espagne et que c'était impossible d'établir un dialogue entre communistes et anarchistes. Et on recommençait en disant « ce fut de votre faute, les collectivisations, il n'aurait pas fallu le faire », alors que finalement le front franquiste était à 20 km, etc. Donc on a l'impression que 70 ans après, 80 ans après, c'est une histoire qui n'est pas simplement une histoire de la guerre d'Espagne ou de l'Espagne, c'est une histoire aussi de toute la gauche européenne. Et finalement, la non-intervention reste toujours là. Et je crois, restera dans différentes générations. José, je crois que tu es quand. C'est vrai qu'on parlait tout à l'heure d'une page très noire de l'histoire de France, qu'une partie de ces personnes internées dans ces camps, en 1940, quand les nazis arrivent, sont livrées par Vichy, pieds et poings liés aux nazis, et partent directement en train vers Mauthausen. Ce sont les triangles bleus de Mauthausen, où la plupart vont disparaître là-bas. Donc c'est évident que ce n'est pas la gloire non plus de la France à cette époque-là. Mais je voudrais aussi y revenir, parce qu'on a beaucoup parlé de ton grand-père, de ta grand-mère et des camps, c'est la lettre. Cette lettre, la lettre, c'est quand même, quand la première fois que je l'ai lue, on est touché et même gêné, parce qu'au début, c'est une lettre d'amour. C'est une lettre d'amour, enfin, d'amour envers son grand-père. Donc on est un peu gêné, parce qu'on rentre dans l'intimité un petit peu. Gêné. Et puis à la fin, c'est presque surréaliste. C'est juste, n'oubliez pas les conditions dans lesquelles donc, ta grand-mère, dans un camp, donc, d'internement, en hiver, en janvier 39, il fait froid, ils ont faim, il y a des barbelés, comme on disait, il y a des troupes, les tirailleurs sénégalais qui sont autour. Ils reviennent de 3 ans de guerre qu'ils ont perdu dans des conditions terribles, sous les bombes franquistes sur l'exode catalan. Et ta grand-mère écrit « Demain, les nouvelles seront bonnes ».
Et elle continue, grâce à toi, donc à ce grand-père, grâce à nous, s'ouvre un futur radieux. Et on va encore plus loin, et il n'y aura plus jamais de familles égarées qui quittent leur pays. Et je termine, il n'y aura plus d'exil, le monde sera beau. Alors évidemment, c'est optimiste et étonnant dans les conditions dans lesquelles elle le dit. Elle le dit, c'est surréaliste, parce que ce n'est pas réaliste. Parce que c'est moi qui l'ai écrit. Mais j'adore l'idée, parce qu'on on me dit ça. Mais là, je le dis, quoi. C'est-à-dire que je me suis permis de... Non, mais tu comprends, c'est pas pour te... Tu pouvais pas le savoir, en fait. Mais, non, mais... On allait faire, parce que on a travaillé sur cette lettre. Oh, c'est magnifique, quoi. J'aurais dû rien dire du tout. Vous allez pas le faire alors du coup maintenant. Vous êtes... Ah si, si, si. D'accord. Non, mais c'est parce que j'ai amené ce, j'ai voulu. L'idée c'était l'humanité. Et je me suis dit parce que j'ai vécu des, enfin on m'a raconté des choses, des gardiens qui étaient là et qui se demandaient ce qu'ils faisaient là et qui voyaient ces peuples. Enfermés. Alors évidemment, il y avait les gardiens, les milices qui obéissaient aux ordres et qui tiraient, qui faisaient ça. Mais tu avais ceux qui se disaient, mais il y a des gens qui sont en train de mourir, je veux les aider. Et moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, comme hier, comme demain, c'est l'humanité. C'est se dire, on va pas râler tout le temps, pleurer. Oui, évidemment, il s'est passé ça. Mais la solution, elle est où? Voilà. Il y a des gens... Et donc l'humanité, c'est ce gardien... je suis parti de ce gardien. C'est comme s'il distribue du chocolat ou s'il donne en cachette aux enfants des choses. C'est ma grand-mère qui dit mon mari est enfermé ailleurs, on est séparés. J'ai besoin de lui écrire un mot, quoi. Et lui fait passer un papier et un crayon. Mais ça je l'ai inventé totalement, en fait, voilà. Mais peut-être que ça s'est passé comme ça. J'en suis sûr d'ailleurs. Ouais, ça s'est passé comme ça parce qu'on trouve d'autres. Il y a dans certains camps des témoignages qui ont été recueillis par deux historiennes qui font un ouvrage pas du tout classique, mais simplement en rassemblant des dessins, des lettres, des photos, etc. Et il y a aussi des chansons qui étaient faites par les femmes pour survivre dans les camps des femmes. Et donc, dans ces chansons, avec le fond de la musique de l'Ejército del Ebro, de Carmela, etc. Je laisse Cali et Carmela, c'est mieux. Donc, c'est curieux parce que toutes ces chansons, donc moi, on pensait que c'était une lettre, donc pas la tienne. Bon. Mais on se disait, il y a toujours un espoir, on l'avait commenté entre nous. Mais c'est curieux parce que dans tous ces témoignages, il y a énormément, énormément, constamment d'espoir. Et le mot qui revient toujours, c'est la vie. Même les dessins qui étaient faits, parce qu'il y avait beaucoup de rats, des maladies, ouais. Où on voyait ces dessins, où vraiment les rats étaient en train de tout manger, de tout piquer, etc. C'était toujours ce regard d'espoir. Évidemment, dans la lettre, en plus, elle est très bellement écrite. Merci. Donc, c'est vrai parce que c'est un texte qu'on a vraiment vu et revu. Et aussi cette idée qui apparaît aussi, je pense, dans tes chansons, qui est récurrente, c'est la vie, le rêve aussi, je crois. Et puis, une autre chose qui nous a fait, dans nos échanges informels, c'est l'importance, alors peut-être que tu vas dire quelque chose, parce que tu disais que l'école pour toi c'était pas ça, ou je sais pas si c'était ça ou pas, si, donc mais... peut-être que tu en parlais. Tu parles beaucoup dans le texte de l'école et de lire, alors. Non, l'école c'est pas ça, j'ai eu mon bac, au bout de deux fois. Non, mais voilà, non, je suis allé très peu à la fac, parce qu'après c'est compliqué quand même aujourd'hui. Moi, je suis admiratif de vous tous, quoi, là. C'est-à-dire que d'arriver, on est tenu par rien, quoi. Si ce n'est la volonté et la soif d'apprendre des choses. Mais si vous venez pas aujourd'hui, personne le saura. Enfin, c'est ça, en gros, quoi. Donc, moi, j'ai voilà. Mais si, en fait, j'ai donné un concert, des concerts, et puis, et oui, on était. Je me souviens de Vaquer. Pas de Vaquer, l'histoire de Vaquer. Et on allait, nous. Mais moi, j'avais aucun discours, rien du tout, mais j'allais sur les tables debout en disant, ouais, nanana, c'était ridicule, mais j'adorais ça, quoi. Et le bordel, quoi, c'était génial. C'était super.
Pourquoi la lecture, le livre? Parce que j'ai une passion pour les instituteurs. Et je me dis toujours, j'avais une institutrice qui s'appelait Madame Caz, et c'est elle qui m'a donné la lecture et l'écriture. Mais comme à tous mes petits copains quoi, autour de moi, et comme plusieurs générations. Et je me dis, elle nous a en fait donné les clés de la vie, une dame. Voilà. Ça me fascine, qu'une personne te donne les clés. Quoi. Voilà. C'est peut-être ça aussi. Ouais. Oui, bonjour. Je voulais juste savoir si vous pouviez nous donner des détails plutôt sur l'après en fait des camps. Enfin, qu'est-ce qu'a fait votre grand-père en fait une fois qu'il est sorti du camp de Saint-Cyprien, parce que on sait qu'il y a quelques soldats républicains qui après sont engagés dans la résistance, notamment des choses comme ça. Donc, je voulais juste savoir lui, c'était quoi son parcours justement après. Ouais. Alors, il est allé dans la résistance, ok. Et puis rapidement, il est rentré. Bon, il était donc communiste. Et il a eu des fonctions il était chef d'un parti communiste de la section à Lozère, à Mende. Et donc, ils se sont retrouvés là-bas après. Donc, la famille est allée à Mende après, en Lozère. Je suis allé jouer à Mende il y a cet été. Et ils m'ont amené sur les lieux de... C'était dingue, je n'étais jamais allé à Mende, c'était fou. Il y a un lieu à Mende, juste à la sortie du village, où les Espagnols étaient parqués ici. Donc on ne voit plus du tout, là il n'y a plus rien. Sauf qu'il y a un petit sentier, et on remonte le sentier, et il y a les explications du camp et de tout ce qui se passait. Alors eux sont passés par là, et donc j'ai pu voir ce qui se passait sur le lieu même. C'est assez troublant, quoi. C'est comme si on te prenait la main, on te disait, tiens, ton grand-père et ta grand-mère, ils ont fait ça à ce moment-là. Et tout en haut, je dois avoir une photo quelque part. Je suis nul en photo, mais j'ai fait une photo. Et je vais essayer de la trouver pour la montrer. Et tout en haut, il y a une statue, comme ça, qui est là depuis toujours, toujours, toujours. Et il venait se recueillir se serrer très fort devant cet endroit-là, pour tenir le coup et tout ça. Donc après, ils sont allés, voilà, pour l'histoire, ils sont allés là-bas. Voilà, chef du parti communiste, voilà. Mais encore une fois, j'ai pas le, c'est pas assez. J'ai ma tante qui est en train d'écrire quelque chose. Elle a du mal parce que ça la remue totalement, quoi. Mais elle est en train d'écrire quelque chose sur l'histoire de ses parents. Et je pense que j'en saurais moi aussi beaucoup plus à ce moment-là. Ouais, c'est sûr. Mais merci en tout cas de poser la question. À Saint-Étienne, dans la Loire, un groupe de brigadistes, donc justement après la guerre d'Espagne, est arrivé, s'est installé à Saint-Étienne. Ils ont fondé un maquis. Ils ont mené la vie dure aux Allemands. Donc, ils ont petit à petit appelé la famille d'une ville en Sicile qui s'appelle Canicati. C'est la ville du raisin. Et actuellement, il y a presque 30 000 personnes originaires de Canicati à Saint-Étienne. Et un des petits-fils des brigadistes est devenu maire de Saint-Étienne dans les années 80. Il s'appelait Giuseppe Sanguedolce. Et c'est une grande famille italienne, enfin sicilienne de Saint-Étienne. Et c'est une très, très belle histoire. Voilà. Wow. Donc, ils sont arrivés. Et donc, du coup, ils ont dirigé la ville de Saint-Étienne à peu près... 40 ans après. C'est bien. Wow. Destin. Alors, d'autres questions? Oui. Angélique. Merci. J'ai lu pas mal de vos paroles, du coup, pour l'événement, du coup, et j'ai vu que vos paroles, elles étaient quand même assez... Enfin, il y avait beaucoup de souffrance dedans. Et je me suis dit que vos paroles, elles reflètent non seulement l'histoire du passé, mais aussi du présent et de ce qui va peut-être arriver et recommencer encore une fois. Et je me demandais, quels sont vos conseils, vu que vous avez pas mal étudié l'histoire et un peu tous ces événements-là, quels sont vos conseils pour nous dans l'avenir? Le conseil, c'est compliqué le conseil. Hein. Moi, je peux pas... Waouh.
Si vous saviez ma vie, si vous saviez ma vie comme c'est bordélique et alors donner des conseils, moi c'est pas possible. Mais par contre, non, mais je comprends très bien la question. Le truc, c'est que merci beaucoup déjà d'avoir lu ces textes-là. Ce que je dis, c'est que plus on sait, plus on comprend à tous les niveaux. Si on sait un pays, si on le comprend et après, évidemment, moi je crois en l'humanité, je crois au bon qu'on a au fond de soi. Et en général, quand on regarde, que ce soit des partis, bon, partis extrémistes, il y a beaucoup de réactions de personnes qui ne savent pas, en fait. C'est-à-dire que plus on sait, plus si on sait la tragédie de ces migrants, de ces familles, tout ce qu'on vient de raconter, eh bien, on peut vraiment se dire au fond de soi, je ne veux pas que d'autres personnes vivent ça. Voilà. Et c'est moi le conseil que je donne, c'est ce que je fais avec mes mômes, je leur explique vraiment l'histoire, et puis je leur dis pas, il faut que tu sois bon ou pas bon, mais on a chacun au fond de soi de la bonté, et chacun, et je pense qu'elle sort de nous à un moment parce qu'on se dit, non, je veux pas qu'ils vivent ça, je veux pas qu'ils revivent ça. Donc moi le conseil c'est, ouais, aller creuser, aller chercher, aller voir historiquement ce qui s'est passé, c'est notamment et non seulement intéressant, mais c'est la clé, quoi. Je pense que c'est ça, c'est la clé. Pour que justement l'histoire ne se répète pas indéfiniment comme ça. Et si je peux me permettre, hein, juste. Pas tout, hein, mais non, mais je. J'ai parlé. Ma petite fille de 12 ans, elle est Coco, elle s'appelle, et puis elle demande beaucoup de choses. Elle vient chanter parfois avec moi. Et cet été, elle est venue. Parce qu'elle me pose des questions, et puis on parle des migrants, on parle de citoyenneté, on parle d'habitat et citoyenneté, de Cédric Héroux, elle me pose des questions. Et je lui dis, tu sais, cet été, j'ai une carte blanche, et je pouvais faire venir c'était Argelès-sur-Mer, un gros festival, on avait 15 000 nous personnes devant nous, au moment où on chantait, et moi je pouvais faire venir des chanteurs. Et j'ai choisi de faire venir des migrants, c'est-à-dire qu'à un moment, c'est compliqué, c'est-à-dire qu'ils viennent sur scène, ils acceptent de venir, Et au grand jour, quoi. Mais on sait, dans des situations un petit peu, c'est compliqué. Et je lui ai dit, j'aimerais que tu sois le lien avec tout ça, toi, l'enfant, quoi. Et elle est venue, elle a chanté avec moi. Et à la fin de la chanson, 15 000 personnes qui se taisent, et ma fille qui a lu un poème. Je vais lire le poème. Ça me rend dingue. C'est un poème de John Donne en 1624. Et c'est tellement... Voilà, c'est l'actualité. Et ce poème, alors, sous cette forme-là, les migrants sont arrivés, enfin, les mômes sont arrivés, ils sont allés dans le public le distribuer aux gens. Des gens l'ont pris avec eux, des gens l'ont rejeté. C'était assez fort comme moment, parce que justement, ça reflétait le truc. Et sur écran géant, le poème passait, un silence de mort, quoi, comme ça. Toutes ces personnes, derrière nous, on est Argelès, hein. Derrière nous, juste en bas, il y avait les camps une poignée d'années avant. Donc, le petit-fils chante, la petite-fille lit un poème, les grands-parents étaient dans ce camp-là. Et en face de nous, des républicains, des petits-fils, sûrement de républicains espagnols. Donc voilà, elle a lu ça. Aucun homme n'est une île, un tout, complet en soi. Tout homme est un fragment du continent, une partie de l'ensemble. Si la mer emporte une motte de terre, l'Europe en est amoindrie. Comme si les flots avaient emporté un promontoire, le manoir de tes amis ou le tien. La mort de tout homme me diminue, parce que j'appartiens au genre humain. Aussi, n'envoie jamais demander pour qui sonne le glas, c'est pour toi qu'il sonne. Alors elle l'a lu, avec une voix beaucoup plus belle que la mienne, un peu cassée. Ah ben, je peux vous dire que c'était fort, quoi. Voilà. Et c'est encore une fois, c'est 1624. Voilà, c'est aujourd'hui. Donc on parlait de l'histoire qui est. Voilà. D'autres questions? J'avais une autre question par rapport au retour. Quelle réception, alors on a su tout à l'heure la réaction des Français par rapport aux républicains espagnols. Maintenant, j'aimerais bien savoir
la réaction des Français par rapport à d'anciens brigadistes, savoir comment ils étaient accueillis, est-ce qu'ils étaient accueillis comme les républicains, différemment, je ne sais pas. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Il ne faut pas oublier qu'ils arrivent, quand ils reviennent d'Espagne, c'est en 1939. En 1939, on a déjà d'autres préoccupations, c'est-à-dire la guerre mondiale qui arrive. Et l'Espagne s'est effacée. L'Espagne, on dit toujours que c'est l'introduction à la guerre mondiale. D'ailleurs, les acteurs sont pratiquement les mêmes déjà. Ouais. Donc déjà, on pense à la grande bataille qui va arriver. Donc ces brigadistes ne sont pas accueillis en héros. D'ailleurs, ils sont accueillis en héros, sauf en Union soviétique. En Union soviétique, là, ils sont accueillis. Mais ailleurs, ils ne sont pas accueillis en héros. Par contre, ils seront d'une très, très grande utilité plus tard, pendant la Seconde Guerre mondiale, et comme tu disais, à la résistance. C'est évident. C'est des hommes qui ont combattu pendant 3 ans, qui ont combattu en plus les nazis, et qui là, c'est un peuple, la résistance, qui se lève contre une armée. Donc évidemment, ces gens-là, dans le sud, dans ta région, en Ariège, une ville comme Foix, étaient libérés par des Espagnols, par des anciens brigadiers, Mende en partie également. C'est un peu les oubliés de l'histoire, d'ailleurs. Quand on va au Mont-Valérien et on voit le mémorial à résistance, toutes les composantes sont là, sauf les Espagnols. Sauf qui ne seront pas là. On les a oubliés un petit peu. On le retrouve parfois dans le cinéma. Je raconte souvent cette scène de Costa Gavras, un homme de trop. Quand le groupe de Maquisards va attaquer un poste allemand, on leur dit, bon, neutraliser les gardes, c'est pas la peine de les tuer. Il y a des Espagnols parmi eux. Et il y a donc un Espagnol qui neutralise un Allemand, et puis tout à coup, il y a le manteau qui se retourne de l'Allemand, et il voit un insigne, et il le poignarde. Et les autres disent, mais pourquoi tu l'as poignardé? Et c'était l'insigne de la Légion Condor. Et là, on ne pardonne pas. Ah ouais. La République espagnole ne pardonne pas, et il le dégoûte. Mais donc, ils sont présents constamment, mais bon, c'est un peu les grands oubliés de l'histoire. Alors, en France, mais également dans les autres pays. Alors, je parlais tout à l'heure des États-Unis, c'est incroyable. C'est la chasse aux sorcières. Et sur leur CV, il ne fallait pas mettre qu'ils étaient dans la brigade internationale. C'est évident. Ça veut dire communiste, et ça veut dire qu'il faut liquider. Mais les retours seront moins glorieux, effectivement, pour ces brigadistes par la suite, alors qu'on les appelait les volontaires de la liberté, et qu'en fait, ils se sont battus, les premiers à se battre contre le nazisme et contre le fascisme, ce sont eux, en 36, et que ce combat qu'on continue en 39, sont eux qui l'ont initié. Mais la reconnaissance sera quand même minime par rapport à la tâche et au nom de victimes. Il y a un endroit que j'aime beaucoup, c'est le cimetière de Morata de Tajuña, qui se trouve près de la bataille de Jarama. Et là, il y a eu, les brigadistes ont eu des pertes énormes. Et on les a enterrés dans des fosses pratiquement, etc. Et c'est un des rares monuments au cœur aux brigades internationales. Et c'est assez émouvant, l'endroit est magnifique, là-bas dans le Jarama, au sud de Madrid. Et là, il y a la mémoire vraiment des brigades internationales, qu'on voit les noms de tous ces noms de tous les pays. On se dit, ça, c'est touchant. C'est des jeunes qui ont donné leur vie. Ou alors même le carré politique du Père Lachaise. Il y a le carré politique et on voit des jeunes Français morts à 22-23 ans, et on voit le lieu où ils sont morts, Quinto del Ebro, dans les batailles d'Aragon, etc. C'est des jeunes. Bon, il y avait des ouvriers, il y avait des étudiants, et ils ont donné leur vie, mais voilà, bon, on les a oubliés. Donc c'est vrai que ce sont les grands oubliés de l'histoire par rapport à ce combat, surtout parce que la guerre mondiale arrive après. Une question sur le projet, comment ce projet s'est mis en place. C'est-à-dire que quand il y a eu ce collectif, est-ce que vous aviez des consignes, ou est-ce qu'on vous a dit, est-ce que tu pourrais pas écrire un texte, parce que c'est une histoire qui te concerne un peu? Et puis, quand on écrit des chansons, comment on passe de l'écriture de chansons à un texte qui est plutôt une nouvelle? Et puis, il me semble aussi que la personne qui écrit la lettre, c'est cette grand-mère dont on a dit qu'elle était murée dans le silence, mais qu'en même temps, elle portait un amour qui ne s'exprimait pas. Et c'est elle qui nous livre un texte qui est très lyrique, qui est très beau d'ailleurs, qui fait peut-être aussi penser aux paroles de vos chansons, enfin de tes chansons. Donc ma question, c'était, quand on a une commande un peu, comment on passe à l'écriture, ça doit être une responsabilité très lourde. Il faut trancher et il faut produire quelque chose. Donc comment ça s'est un petit peu passé? Donc les coulisses, en quelque sorte. Oui, merci. J'ai dit non d'abord, parce que je ne me sentais pas capable de le faire. Je suis d'accord, écrire une chanson, c'est partir à la nage et revenir sur la plage, quoi. Écrire une nouvelle, c'est aller pêcher toute la journée. Voilà.
Et écrire un roman, c'est traverser de la Bretagne jusqu'à Manhattan, quoi. Et j'ai écrit un roman. Hein. Voilà. Ça sort en janvier. Voilà, j'ai écrit un roman. D'ailleurs. Hey, chanteur, hein. Ça, c'est pour arriver à ça, quoi, en fait. Non, mais c'est vrai. Alors, je ne voulais pas. Parce que quand on regarde l'histoire, il y a quand même. Alors, on est tous des petits-fils de brigadistes, on est tous de. Et puis, à un moment. Alors, il y a des nouvelles, il y a des poèmes, il y a des. Et puis, je me suis dit, je n'ai pas le droit de refuser. Je n'ai pas le droit de refuser. On parlait tout à l'heure de. Tu viens de dire les grands oubliés. Aujourd'hui, moi, j'ai un micro et mon papa, il ne m'a jamais vu chanter. Il ne m'a jamais vu chanter ça, ses parents. Ma chanson qui s'appelle Giuseppe Maria. Je la chante tous les soirs. Il ne m'a jamais vu la chanter. Mes sœurs m'ont vu la chanter. Ma tante m'a vu la chanter. Ma tante, elle est venue au Zénith de Paris et je ne l'avais pas prévenue. Et on a mis la photo de son père. Là. Et moi, j'ai chanté en regardant son père. Voilà. Et imagine, sa fille, elle était dans le public. C'était complètement bon. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que. Voilà, les grands oubliés. Et on me donne l'occasion, un micro, ou ça, donc je le fais. Et comment, pourquoi je suis parti là-dessus, je ne sais pas. Pour moi, l'idée, c'était de. Voilà, ça m'est venu comme ça, l'idée de encore une fois, de la. Je voulais vraiment un truc sur l'humanité. Voilà, je voulais. Et ma grand-mère aurait été incapable de. En tout cas, avec ses mots français, d'écrire ça. Parce que ce qu'on disait tout à l'heure, elle trébuchait sur les mots français, elle parlait espagnol, quoi. Et elle, voilà, mais en même temps, il y a des choses un petit peu, il y a des choses charnelles un petit peu, à peine un petit peu dans cette lettre-là. C'était l'idée d'une femme qui reste une femme et son mari lui manque, quoi. Mais les caresses de son mari lui manquent, évidemment. Le père de son petit garçon qui est là lui manque, mais les caresses de son mari. Donc je voulais à la fois une histoire d'amour, je voulais une histoire de très intime. Et grâce à un regard, grâce à une personne qui était dirigée par des gens malveillants, mais lui avait ce cœur-là pour donner le stylo, voilà. Mais c'est venu, voilà. Mais j'ai pas accepté au début. Hein. J'avais dit non, mais après j'ai dit non, j'ai pas le droit. C'était un peu pour réagir à la question juste avant à propos de l'image des brigadistes et toute cette persécution. C'est pas tellement une question que j'ai, mais c'est, je pense qu'à l'époque, vu que c'était un peu en première ligne, ils n'ont pas eu le recul nécessaire pour juger tout le service qui a été rendu, et que justement la parole, elle s'est tue au fur et à mesure des années, et que c'est vraiment les enfants et les petits-enfants qui actuellement sont les porte-paroles. Et c'est très très difficile du coup de faire reparler des voix éteintes, voire mortes depuis longtemps. Et je trouvais que la démarche que vous faites est vraiment très très courageuse. Merci beaucoup. Mais les il y a des gens encore vivants. C'est fou. J'ai vu des témoignages de. Il y a encore des gens qui sont en vie. Et franchement, je vais vous faire passer cette histoire-là de Rivesaltes, parce qu'il y a des gens qui étaient, muets, quoi, totalement muets. Et on a réussi à les. Enfin, on a réussi, la personne a réussi à poser des questions, à faire parler. Et après, c'est un robinet qui s'ouvre doucement, et puis après, c'est parti. Et là, c'est. Mais oui, nous, les enfants, les petits-enfants, ben ouais, c'est essentiel. Ouais. C'est pas du courage, hein. C'est juste. Vous imaginez la fierté, mon grand-père, le héros, on en parlait. Moi, je suis tellement fier. C'est une chance énorme. C'est pas du courage, c'est juste. Je crie au monde entier, mon grand-père, c'était un courageux qui est allé se battre, qui a donné sa vie pour sauver d'autres vies. Voilà. Et c'est je suis très fier de ça, en fait. Mais merci beaucoup. Et ton texte, c'est la courageuse. Ouais, la courageuse, ouais. Ouais. Oui. Du coup, je ne voudrais pas lancer un débat houleux, mais vous avez parlé tout à l'heure du fait que ce qui se passait aujourd'hui en Espagne, c'était du franquisme mal digéré. Désolée, je vais rebondir là-dessus. Je voudrais avoir plus de précision, ce que vous pensez de la situation. Et voilà.
ouais. si possible. Oui, alors je vais pas rentrer dans les détails parce que justement j'ai un souci avec ça, c'est que enfin, moi je suis catalan, on est leurs cousins, hein, catalan du Nord, moi donc la Catalogne Sud, et je trouve qu'il y a, on est nombreux à prendre la parole, ou ils sont nombreux à prendre la parole sur ce sujet qui est délicat parce que c'est aujourd'hui. Mais on n'y est pas, quoi. On n'est pas au milieu de tout ça. Et c'est particulier. Moi, quand je disais... l'autre jour, j'ai un journaliste qui est venu me poser la question et comme j'ai voulu taper en touche, je lui ai dit très sérieusement, je lui ai dit « Pour moi, je pense que la Catalogne devrait se rallier à l'Écosse. » Ils m'ont plus rappelé, hein. Après. Mais, ouais, ouais. Mais en tout cas ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu ce... en 1931, des élections... en Espagne, où la République espagnole a gagné les provinces un peu partout, donc notamment à Barcelone. Franco est arrivé, il a changé tout ça, mais à la mort de Franco, c'est hier Franco, quoi, 75. En 78, ils refont la Constitution en donnant une autonomie à la province de Barcelone, quoi, catalane, quoi, une autonomie, avec des points précis. Et puis, des années après, Rajoy, là, qui gère très mal pour moi la situation, remet en cause, amenuise l'autonomie. Et puis, donc, on a 12% de... Non, mais c'est important parce que c'est des chiffres... On a d'abord 12% de catalans indépendantistes qui veulent absolument recouvrer l'indépendance. Et puis, on a ça. Il y a les événements donc, du 1er, je crois que c'est le 1er octobre, quand il y a eu la répression, c'est une vraie répression. Là, les chiffres ont totalement changé. On en est peut-être à 50% maintenant aujourd'hui. C'est très chaud, quoi. On ne sait pas, puisque justement, on n'a pas eu le droit de faire des élections. Il aurait dû laisser faire ces élections-là. Mais le problème, quand je dis c'est le franquisme, c'est qu'aujourd'hui, on a une constitution qui amène et qui fait que la corruption est terriblement développée dans les gouvernements, enfin en Espagne, dans les partis, parce que les gens qui sont élus, après, font leur sauce entre eux et élisent une personne. Donc tout est fermé. Et donc, c'est pas comme ici, c'est-à-dire que l'opinion publique n'a pas. On l'écoute pas, quoi. C'est-à-dire qu'ils font tout entre eux. Et ils reçoivent ils se partagent des subventions, il y a des trucs qui passent. Donc il y a beaucoup d'affaires, les gens le savent. Et aujourd'hui, tout ressort, toutes les rancœurs. Il y a le roi qui s'en est mêlé. On se demande pourquoi le roi s'en est mêlé. Et le roi s'est mis du côté de Rajoy. Donc on se dit, le roi, c'est un régime qu'on a toujours combattu. Nanana. Le roi, c'est Franco. Le roi, c'est tout ça. Maintenant, voilà. Donc aujourd'hui, il y a ce... Ça devient une question de... Enfin, c'est pour ça que je disais c'est Franco mal digéré. Parce qu'on arrive à des... on arrive à des... L'Europe qui donne des subventions aux grands espagnols, aux grands propriétaires, et maintenant tout ça ressort. Alors ce problème est devenu, maintenant on revient, pour moi, je pense qu'on est à deux doigts d'une guerre civile même, je veux dire, c'est-à-dire que ça peut, c'est fou, hein, mais il faut faire attention, quoi, voilà. Enfin, je veux pas, mais c'est très brûlant. Alors, donc moi, ma position, elle vaut rien. Elle vaut rien, ma position. Je suis leur cousin, je suis à côté. Il faudrait être vraiment là-bas. J'ai des gens de là-bas qui m'en parlent. Et en même temps, il y a l'autre côté qui est quand vous vous promenez en Espagne. En 78, par exemple, il y avait partout encore. Moi, j'ai vécu ça. Hein, des routes en terre. Le téléphone qui n'était pas là, le courrier qu'on ne recevait pas, tout délabré, 78. Aujourd'hui, ça va mieux. Mais il y a toujours des contrées espagnoles qui sont délaissées. Alors, est-ce que ce n'est pas aussi facile de se dire, est-ce que ce n'est pas un peu facile de se dire, nous, on est riches, on s'en va et on laisse les autres aussi. Bon, il y a un truc de solidarité aussi. Donc, il y a les deux côtés. C'est compliqué. Alors moi, en tant que petit-fils de brigadiste, j'ai ma position, on s'en fout de ma position, mais je comprends vraiment aussi les indépendantistes pour des raisons, mais peut-être pas pour d'autres. Voilà. Mais je ne suis pas chez eux. Donc voilà, j'ai tourné le poisson comme ça, mais... Comme je ne vais surtout pas parler de la Catalogne, parce que c'est, on va dire, notre fonds de commerce, ouais. Et que donc, nous faisons pas mal d'enseignements sur la question... De débats, etc. Bon, simplement, je voudrais, non pas pour botter en touche, hein,
Mais je pense que, toi tu dis en tant que petit-fils des brigadistes, moi je pense qu'il y a quelque chose dans les nationalismes qui me semble gênant, ce que tu viens de dire, c'est-à-dire l'aspect, donc, la défense de soi, le rejet de l'autre, le côté altérité, le fait que la Catalogne est une autonomie pleine avec une langue reconnue, une culture, un enseignement dans cette langue, etc. Et que je dirais que peut-être aujourd'hui, ce genre de nationalisme du Nord par rapport à ces autres régions espagnoles comme l'Andalousie, etc., nous ferait regarder la question espagnole avec des yeux de ce qu'était la question dans les années 30. Et aujourd'hui, dans le monde de la culture, il y a beaucoup de gens qui ne prennent pas parti dans ces questions identitaires. Je sais, les auteurs de cinéma, etc. Et notamment dernièrement, un cinéaste a dit, moi, dans ce débat des patries, je n'ai qu'une patrie, c'est le cinéma. C'est pas beauté en touche, mais je pense qu'actuellement, tu parlais différentes nationalités, je pense qu'à cette table, nous sommes plusieurs à avoir plusieurs identités, non pas des cartes d'identité, mais comme s'en prend, différentes langues et cultures. Moi, je suis un peu à l'étroit dans ce nationalisme de je suis ceci, mais je suis surtout pas là. Tu vois ? Donc, c'est vrai que c'est un débat plus large. Et moi, je dirais que dans le débat qui est aujourd'hui le nôtre, ce qui me paraît assez incroyable, c'est que dans tes textes, par exemple, quand tu parles de Giuseppe, de Maria, de l'exil, etc., je ne trouve pas trop de place pour cette idée de nation, de cet aspect, disons, identitaire, parce que est-ce que c'est la langue, est-ce que c'est la culture, est-ce que ce sont les frontières, est-ce que ce sont des institutions qu'on peut monter du jour au lendemain, est-ce que c'est la création d'une armée ou d'une police qui fait l'existence d'une nation. Je pense que la Catalogne, pour moi, qui suis aussi en partie catalane, c'est une des régions qui accueille beaucoup d'émigrants andalous, aragonais, castillans, et que ces migrants ont fait aussi la richesse de ce qu'elle est, la Catalogne. Donc ces débats, je crois qu'il faudrait aussi l'élargir. Et aujourd'hui, nous sommes en train de parler des problèmes sociaux. Il y a aussi des partis de gauche, Podemos, etc., qui sont en train d'alerter dans le débat, de dire est-ce qu'il ne faudrait pas parler des questions et des problèmes sociaux, parce que ce n'est pas uniquement la question de ce qu'on va construire comme nation, mais il faut construire aussi une nation égalitaire. Bon, donc moi, si tu veux, c'est pour ça que ce débat-là m'intéresse, le débat de, et on l'avait posé comme ça, le débat de l'international et le côté de la guerre d'Espagne. C'est-à-dire que dans ce débat de la guerre d'Espagne, il y a de grandes idées pour lesquelles on vient. Bien sûr que dans cette guerre, il y a aussi le débat des nationalismes basques, catalans, etc. Mais je crois qu'il y a aussi des défenses de grandes valeurs qui passent au-delà des territoires. Et je crois que c'est un débat pour un autre jour, mais je ne vote pas en touche, mais je pense que ça, c'est quand même une question importante. Surtout pas rentrer dans le débat sur la Catalogne. En plus, on voulait l'éviter parce que c'est à cause de vous. Voilà, c'est à cause de vous. C'est à cause de vous. Donc voilà. Mais j'ai écouté Bruno tout à l'heure et c'est ça le débat. C'est que je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que tu as dit, mais c'est justement ça le débat. Mais juste dire, quand tu fais la comparaison brigadiste et ce qui se passe aujourd'hui, je crois qu'on est très très loin de l'idéal brigadiste. Parce que les brigadistes, c'était juste en main à combat sans frontières. Ils sont venus, on disait, de 50 pays pour défendre une cause, la démocratie. Or, actuellement en Catalogne, certains veulent créer de nouvelles frontières. Et ça, c'est séparer, c'est pas unir. C'est juste ça que je voulais dire. Bien sûr. Et moi, si je peux me permettre, parce qu'on en a parlé, puis voilà, c'est encore l'occasion. Je vais vous chanter Giuseppe Maria, en fait. À chaque instant, il pourrait arriver, il pourrait nous surprendre. Enlacé comme ça, ton visage a changé pendant la nuit, mon ange. C'est cette putain de guerre qui t'a donné 30 ans. Relève-toi, ne pleure plus, il faut fuir maintenant. C'est cette putain de guerre qui t'a donné 30 ans. Ne pleure plus, prends les mômes sous le bras et va-t'en. Laisse les photos sur la cheminée, qu'ils voient le bonheur qu'ils déchirent.
rejoint vite le troupeau de veuves qui grimpe la colline du village martyr. Et vos hommes tiendront, ils tiendront jusqu'au bout, plutôt mourir debout que vivre à genoux. Oui, j'ai envie de toi, comme c'est étrange d'imaginer, c'est peut-être la dernière fois. Oui, je veux te suivre tout là-haut encore, une dernière fois. Mon amour, je garderai cette nuit dans le ventre et tes seins sous ta chemise qui dessinaient ta respiration et mes mains sur ta peau qui n'étaient plus les mains fatiguées d'un maçon. Tu sais, mon ange, je garderai ce moment dans le cœur. Quand tu hurlais pour rien au bonheur. Et les enfants riaient, et le jardin en friche, il riait lui aussi. Mon Dieu, tu étais belle. Et j'entendrai vos voix jusqu'à mon dernier souffle, je garderai tout ça. La mort ne fait plus peur, comme j'ai de la chance de partir amoureux de toi. Ils me fusilleront peut-être derrière la maison. De chacune des plaies coulera notre amour. Ils me fusilleront derrière la maison. Et c'est à cet endroit que Giuseppe et Maria s'aimeront pour toujours. Si tu entends hurler au loin, surtout ne te retourne pas. C'est le cri de l'espoir qui monte, qui monte, qui montera là-bas. Étreins fort les enfants et dis-leur que leur père est parti amoureux. Et que tu seras forte et que tu seras belle, que tu les aimeras pour deux. Et que tu seras forte, que tu seras belle, que tu les aimeras pour deux. Thank you.